Good Morning Business. Business plan. Bonjour Gaëlle Menu-Lejeune. Bonjour. Merci d'être sur BFM Business avec nous, avocate fiscaliste, directrice associée chez Fidal. Gabriel Attal, ministre délégué aux comptes publics, a présenté hier le plan du gouvernement de lutte contre la fraude fiscale. Plus de contrôle, plus de sanctions aussi pour les fraudeurs les plus fortunés, avec un volet sur cette zone grise, un peu inaccessible jusqu'à maintenant, de l'optimisation fiscale. Est-ce que les cabinets d'avocats ont eu les oreilles qui sifflent ? Pas celui dans lequel je travaille, en tout cas. Les cabinets d'avocats n'ont pas eu les oreilles qui sifflaient hier. Vous pensez là, évidemment, au délit de complicité de fraude fiscale. Mais d'incitation, oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle la complicité pour fraude fiscale. Et c'est pas la première fois qu'on s'attaque à la complicité pour fraude fiscale. Le prédécesseur de Gabriel Attal, Gérald Darmanin, avait déjà porté une loi il y a 5 ans de lutte contre la fraude et avait renforcé les sanctions contre les incitateurs ou les monteurs. Donc, on peut citer des banquiers, des assureurs, les défiscaliseurs, etc. Ceux qui fournissent des kits juridiques clés en main pour frauder. Voilà, ceux qui fournissent des kits juridiques d'après, effectivement, le ministre. Les avocats, pas plus que d'autres professions, ne se sentent visés. Ça n'existe pas ? Pardon ? Vous dites d'après le ministre, ça veut dire que ça n'existe pas ? Il existe, bien sûr, des professionnels, si on peut les appeler comme ça, qui incitent ou, effectivement, qui vendent des kits. Vous trouvez ça sur certains sites internet, etc. Pour autant, ce ne sont pas ces personnes qui exercent la profession d'avocat ou de notaire avec le plus grand respect des règles déontologiques qui s'imposent à nous. Nous ne sommes pas, de manière générale, les avocats fiscalistes, des monteurs de fraude fiscale. C'est là où on voit que c'est tenu d'aller chercher la fraude. La question entre l'optimisation, la fraude fiscale, on a l'impression que là, désormais, on va mettre une ligne très claire et puis ça va être beaucoup plus clair qu'avant. Qu'est-ce que ça va changer concrètement, ce plan ? Ce plan, il consiste surtout, d'après ce que j'en ai compris, à réorganiser un certain nombre de choses, à donner plus de moyens à la Direction générale des finances publiques pour traquer la fraude fiscale. Si tant est qu'elle soit d'ampleur, d'une telle ampleur, on annonce entre 30 et 100 milliards, évaluer la fraude fiscale, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas d'évaluation précise. Si on savait l'évaluer précisément, on saurait certainement la combattre et la détecter mieux. C'est un miracle, quoi, de dire on va aller chercher de l'argent dans la fraude, C'est toujours très tentant. Voilà, c'est toujours. Il n'a pas eu d'objectif chiffré là. Non, il n'a pas le ministre n'a pas donné d'objectif chiffré. Il a expliqué qu'il allait donner des moyens. Dans les objectifs chiffrés ou en tout cas les chiffres qu'on peut ressortir le plus, c'est la lutte contre la fraude à la TVA avec la mise en place de la facturation électronique là en juillet 2024. L'Italie, quand elle a mis en place ce dispositif, a rentré 2 milliards de plus de TVA. Donc on peut s'attendre effectivement à ce que la TVA, qui est un impôt européen, qui ait plus de rentrées avec la mise en place de la facturation électronique. Et l'optimisation fiscale. La fraude, c'est ce que vous n'avez pas le droit de faire. L'optimisation, c'est la discussion que nous pouvons avoir entre les avocats, les entreprises, les contribuables, vous et nous, face à l'administration fiscale sur les zones d'interprétation de la loi. La loi est compliquée, voilà, elle n'est pas toujours claire. Et donc 80%, 90% des combats qui opposent les contribuables à l'administration fiscale, c'est sur l'interprétation de la loi. Est-ce que vous allez davantage collaborer avec l'État ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est ça aussi le message qui a été passé par Gabriel Attal, d'être plus transparent, plus ouvert et mieux communiquer sur ce que vous faites et les manières dont... Nous, avocats fiscalistes, comme les entreprises et les personnes que nous accompagnons, notre métier, il y a deux choses différentes. Il y a le conseil. Le métier d'avocat fiscaliste, il vise, vous venez nous poser une question, on vous répond sur ce que vous avez le droit de faire ou pas faire. Et ensuite, il y a le contentieux, la défense, où là, effectivement, on va s'interroger pour savoir si la loi était claire, si elle vous permettait de faire des choses, si le doute était possible. Donc nous avons deux métiers différents. La transparence, elle existe déjà. Il y a un secret professionnel fort de l'avocat, et Gabriel Attal a dit que le secret professionnel de l'avocat ne serait pas impacté par cette loi. Pour autant, la transparence, elle existe parce que les banquiers, etc., tout un tas de professions sont obligées de transmettre des informations à l'administration fiscale qu'elle exploite ensuite en masse, il l'a expliqué aussi hier, par l'intelligence en utilisant l'intelligence artificielle et l'exploitation automatique des informations qui existent aussi au niveau européen. Il a dit très clairement qu'on allait plus s'appuyer, d'aller regarder les comptes des grosses entreprises pour être pas plus laxiste mais plus conciliant avec les PME, les TPE et puis certains particuliers. Est-ce que c'est une demande déjà des patrons de petites entreprises qui se sentent harcelés par
le fisc. Et est-ce que vous allez du coup devoir plus travailler pour les grosses boîtes ? C'est une demande forte des entreprises. Pourquoi ? Parce que la fiscalité, c'est un levier fort de l'économie. Et le patron, le chef d'entreprise, mais tout comme la personne physique, elle a besoin de sécurité juridique. Quand le patron il souhaite investir dans un projet, il souhaite se lancer sur un nouveau marché, à l'export comme en France, il a besoin de sécurité juridique. Donc il a besoin de savoir si les options économiques qu'il prend fiscalement lui apportent une grande sécurité. Il veut pas l'insécurité, il veut pas prendre un risque, que ce soit en matière fiscale ou en matière sociale. Donc oui, c'est une demande forte des entreprises d'être accompagnées. Et quand nous posons aussi avec elles une question à l'administration fiscale, c'est d'obtenir une réponse très courte de l'administration fiscale pour pouvoir faire des investissements économiques en toute sécurité. Sur ce sujet de l'optimisation, pour terminer, c'est quoi la défense là, de vos clients, aussi des grandes fortunes ? C'est taxez-nous moins en France, peut-être, et on fera moins d'optimisation ? C'est pas moins d'optimisation, c'est le juste impôt. Ça s'appelle le juste impôt. Payer le juste impôt, ce que l'entreprise ou le contribuable doit. C'est juste. On a toujours tendance à dire que... Ce qu'il faut, c'est l'impôt qui correspond à ses capacités contributives et le juste impôt, ni trop ni trop peu, et l'impôt qui correspond à la contribution publique. Donc on ne paye pas trop d'impôts en France, les entreprises ne sont pas trop taxées. On paye tous d'impôts, trop d'impôts, vous comme moi. Le taux de l'impôt sur les sociétés a baissé considérablement, maintenant il est à 25%, et vous verrez que les rentrées d'impôts sur les sociétés ne sont pas inférieures à celles qu'il était quand il était fixé à 33%. Merci beaucoup pour toutes ces explications avec nous ce matin, Gaëlle Menu-Lejeune, directrice associée chez Fidal.